Salut à tous, bienvenue sur Coffee Gaming. Aujourd'hui, découverte de Cyber Shadow, le nouveau jeu de chez Yacht Club Games, qui est fait chez All Night. Du néo-rétro indé, un hommage au vieux jeu NES Biardos qui demande des réflexes littéralement de ninja. Regardez-moi ça, c'est cinématique de KK. Bah tiens, on a justement. Alors, c'est pas un ninja, ninja! Allez, lance des shurikens! Non? Il est pas très efficace. Alors, hop! Voyons voir ce que ça donne un petit peu. Donc, il est sorti il y a quelques jours, il y a une petite semaine. Et j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Par contre, de ce que j'ai entendu dire, il y a certaines personnes qui ont bien ragé dessus. Hein. Ça devait pas être le live détente du dimanche. Hein. C'est très Samus Aran là, devant, le masque comme ça, et les couleurs. J'adore le gameplay. J'ai énormément évité de regarder les images du jeu pour vraiment découvrir l'enterrement parce que je sais que c'est le genre de jeu, Julie. Ok, des souvenirs résurgents. Mais c'est Ninja Gaiden en fait! Ils ont tout copié! Alors que nous dit le robot? Shadow, quelle joie de te retrouver en état de fonctionnement optimal. Mais même le cadre et tout, ça me fait vraiment penser au dialogue de Shovel Knight à l'époque. Enfin, ça fait depuis un petit moment, ça fait 3 ans que j'avais fait à l'époque. Désolé d'avoir dû interrompre ta récupération, mais notre mission a pris une tournure urgente. Notre maîtresse a désespérément besoin de ton aide. Beaucoup de choses se sont produites depuis l'explosion. Je t'expliquerai tout cela en cours de route. Je m'appelle Elgion, au fait. Je suis assistant de notre maîtresse. Il n'y a pas de double saut, mais moi j'aime bien les doubles sauts. Peut-être plus tard, il y aura peut-être des améliorations. Alors, ok, pour l'instant il n'y a que ça, pas de dash, que dalle, ok. Ouh, d'accord, c'est des DHP. On voit qu'il y a des SP. Vraiment des points pour balancer des attaques spéciales. Merci, t'aurais pas pu les filer avant. La privation d'essence t'a affaibli. Tes systèmes vitaux ne pourront pas supporter ça bien longtemps, Shadow, ton temps est compté. Et pour ne rien arranger, je suis quasiment sûr que ton réveil a dû alerter le docteur Progène. Nous ne devrions même pas rester ici. C'est un checkpoint, ça. Chambre de stase, désactivée. Chambre de stase, sécurité compromise. Oh là, on est fou, là. Journal de la chambre de stase. Sujet, bêta libéré. Dernier état d'enregistrement, santé, critique, niveau essence, 37%. Manque de dash. En ce moment, je joue tellement à des jeux avec des dash que j'ai envie d'avoir des dash partout, en fait. J'aime bien les dash. Et voilà. La progression des niveaux, vous savez, à l'ancienne, à la Castlevania et tout. Les tours géothermiques. Ok. Ils aimaient bien les ascenseurs dans les jeux 8 bits et 16 bits, mine de rien. Ok. Ok, c'est pas rien pour l'instant. La musique t'a bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si le son est assez fort ou trop fort. Sur les jeux comme ça, c'est toujours dur de bien doser. Hop. Ok. Alors, je sais pas à quoi ça sert les petits œufs qu'on ramasse. La thune peut-être pour les améliorations plus tard. Attends. Ouf. Yes. J'ai. Voilà. Peu. Bien, justesse mais bien. Ça joue bien, c'est fluide. C'est maîtrisé, hop. Mais j'ai hâte de voir vraiment les améliorations au fur et à mesure. Attendez, il y a aussi des trucs là-bas. Il y a un truc que j'ai laissé là-bas. Je sais pas s'il a pas dépopé entre temps. Je sais pas si les ennemis repop ou pas. D'accord, ça on peut pas les éclater. Voilà, il y a un gros truc là, je sais pas ce que c'est. D'accord, HP max, c'est pour ça que j'ai pas ramassé. Merci Naoto.
voilà. Non, le joystick, ça joue super bien en fait. Le docteur Projet a emprisonné tous les membres de notre clan pour siphonner leur puissance. Nous avons atteint de justesse, heureusement. Quoi qu'ils ne t'ont pas eu, toi aussi. Un de nos quatre compagnons est proche, mais il s'affaiblit. Veuillez te le trouver. J'ai hâte de voir les boss, surtout. Dans ce genre de jeu, c'est les boss qui sont bien rageants et très sympas. Est-ce que ça, on peut extraire? Oh! Attends, on a un nouveau pouvoir? Attends, on l'a pas explosé ça? Ça va pas? Ah, mais on a pas de SP pour l'instant, donc c'est normal qu'on puisse pas nous lancer à mon avis. Voilà. De toute façon, je pense que le jeu nous expliquera tout ça en allant. Il nous fera comprendre du moins. Et faire Sarpop en fait, les forêts. C'est beau la technologie. Un petit peu. Bien. Du chemin. On est bon. Juste en dessous, mais là c'était des culs. Hein. Attention. Rien. Bien. Oh mais non, mais. Oh mais c'est pas cool ça. Le guide troll. Un petit peu. Voilà. Yes. Bon. Yay. On sent le joueur rétro hein, quand même. Il y a les bons réflexes qui arrivent tout de suite. Ça c'est beau, c'est détaillé, c'est sympa et il y a quand même la grosse touche rétro. On a l'impression de jouer à un jeunesse. On est un peu plus beau quand même. Oula, oula. Merde. Premier dégât. Il sert pas pour moi en plus, peut-être pour elle et tout. Yep. Voilà. Smeng. Pourquoi j'essaie de tout éclater parce que... Genre ça, fallait pas que j'essaie d'éclater. Par exemple. Je sais pas si on peut avoir du loot infini avec les ennemis qui hop. Dommage. Hop. On dirait un jeu de console de 12 bits entre la NES et la Super NES, c'est ça. Sur une demi-génération en fait. Ça sent déjà. Ah putain, faut pas toucher. Que? J'ai rien compris. D'accord, donc en fait, c'est le truc, le marteau, tu sais, ça départit du boss. Putain, d'accord, là, la difficulté, c'est quand même, je crois. Bon, il y a une petite barre en haut à droite. On peut voir un petit peu où ça en est. Putain, on peut pas détruire le truc qui tire. Putain, les mecs, je pouvais faire ça. Et on est bon! Ça va, c'est jouable, c'est jouable. Petit coup de stress quand même, mais c'est jouable. Yay! Je crois qu'on a gagné un point de vue en plus, ou c'est moi? Alors. On y est, on aura des trucs à monter par ici qui peuvent être sympas. Des petites améliorations. On peut rien faire avec? Non, on dirait pas. Peut-être plus tard. Ouais. D'ailleurs dans le même jour il y a un jeu qui est sorti il y a un ou deux ans. Faudra absolument qu'on fasse un jour, c'est The Messenger. Il paraît qu'il est incroyable. Je vais tourner une paire de fois. Et en fait c'est exactement dans le même jour. Il paraît qu'en fait tu refais une deuxième fois le jeu mais avec un côté Metroidvania. Genre le jeu tu le refais deux fois mais il est pas pareil. Et du coup ça m'interloque. Dans le sens où il paraît que cette deuxième partie de jeu est assez innovante. Là doucement. Les chauves-souris, même dans les jeux futuristes, il y en a. C'est juste que c'est des chauves-souris du turfu du coup. Ah merde. Ah, on peut pas sauter dessus, mais on dirait que c'est une plateforme, enfin. Le Messenger est super dur à faire à 100%, mais le jeu et son humour valent le coup. D'accord. De toute façon, c'est du Devolver, c'est forcément du bon. À faire un VF québécoise, un régal Messenger. Pourquoi elle a quoi la VF québécoise en vrai? Voilà.
Ouais, faut pas essayer d'avoir tous les ennemis quoi. Faut... Hop, faut un petit peu rusher. Je me demande à quoi ça sert la tombe par tout à l'heure. D'accord, faut les... si on tourne trois coups rapidement, c'est plus large. Ah, le repop de... d'ennemis intempestifs. C'est un Megaman. Non, non, il repop que si on bouge l'écran sur Megaman. J'ai des bêtises. Oh, passage secret. D'accord, en fait, ça me permet de taper plus loin, ça, l'amélioration là. D'accord, donc il y a aussi des bonus dans les murs. Je sais pas. Bien. D'accord, je pensais qu'en fait, c'était utilisé par les pouvoirs. Ah, spécieux! Trop d'ennemis! La difficulté elle a été multipliée par 10 entre le boss et maintenant quoi. Ah pute, un bon vieux Die on the Retire des familles quoi. Ah putain, ouais pareil les checkpoints, mais il y en a un de tous les kilomètres maintenant. Je commence à comprendre pourquoi les gens y rageaient. Le début du jeu c'est un tuto, mais t'explique pas que c'est un tuto. Pour toi c'est déjà le début, t'es en mode ouais ça va, et jouable il est pas si dur. Mais c'est un piège, ça te met trop en confiance. Du coup après tu fais plus gaffe. Et après c'est la merde. Faut être patient, tu les ennemis à part un. Bien. Voilà. Être précautionneux. Vu la fin, c'est insane la difficulté. Ah ouais, c'est bon. Insane en mode... pour moi, ça va être pire qu'impossible. Ou insane, c'est... on a eu des jeux ces derniers jours qui étaient quand même à ce niveau-là. Avec des boss... avec des hitbox qui font 3000 mètres. Merde. Ah c'est... ouais, puis l'invincibilité, elle dure pas très longtemps. Voilà. Ouf. Ah. Ah oui d'accord, en fait je suis mort juste avant le checkpoint tout à l'heure. Ok, je vois. C'est vrai que j'ai envie d'enchaîner deux jeux ultra durs comme ça d'affilée. J'ai plus aucune concentration. Personnage marchait avec un balai dans le cul. Oui. Peut-être c'est pour les extensions de vie, ça je sais pas pourquoi c'est. En mode Megaman c'est un jeu pour enfants. Ah merde. Non c'est pas un jeu NES ni Super NES, c'est un jeu qui vient de sortir il y a une semaine à Truc Elite. C'est un nouveau jeu indé. Sur pan auto. Merde. Ouais, peut-être je peux encore me baisser, mais non. Mais même là, c'est. Bon, ça passe pas au travers. Là, j'imagine pas les gens qui a cette jeu en mode. Ouais, je connais pas trop, c'est quoi. Et qui ont pas touché à un jeu de l'ère 8 bits de toute leur vie. Le jeu est bugué là, j'arrête pas de mourir, c'est pas normal. La musique est pure.
Merde. On va l'avoir d'en bas, comme ça on va être tranquille, voilà. On est bon. Ça mérite un café quand même. Hiromo, ce jeu du démon à ce point. Dans quoi je suis encore allé me foutre moi? J'ai pensé à l'époque des jeux Hit and Run sur NES, c'est-à-dire Hit and Run. Oui. Je parle des... J'ai un nom de genre différent dans la tête. Comme les Metal Slug et les Contra. Run and Gun, oui. C'est ça. J'ai failli jeter la manette au chapitre 8, je l'ai désinstallé, c'est mieux comme ça. D'accord, je vois. Moi j'ai une nouvelle manette donc je vais éviter de l'acheter. Ah ! Alucard ! Non, c'est pas lui. Ceux qui ont commencé le jeu vidéo par Fortnite, merde les pauvres. Ils pleurent des larmes de sang, comme ça. Toutes les cinématiques ont été réalisées par Paint. Non. Et ça donne un petit effet, hein, les couleurs comme ça et tout. Pourtant j'ai 35 ans, j'ai connu ces vieux jeux, mais là, ah putain, ce point. Est-ce qu'il y a encore temps de retourner sur New 2, les enfants? C'était cool New 2, non? Tu n'as pas l'air en forme, Shadow. Ton état est en train d'empirer. J'espère que tu te réhabiliteras bientôt. Nous ne pouvons pas nous permettre de te perdre. Notre maîtresse a besoin de toi au meilleur de ta forme. Cool, commencer par Fortnite, d'abord le FPS, le jeu de construction créatif et le jeu multi. Ouais, les insultes sur les mamans et tout. La maîtrise des insultes des mamans. Construire des murs sur Fortnite, c'est dur, faut avoir pas excusement. Moi j'ai fait du Lego quand j'étais enfant, ça s'est bien passé. Merde, boss. Shadow, toujours aussi pathétique. Par quel miracle as-tu donc réussi à survivre? Mais qu'importe. Sans tes pouvoirs. Tu ne faudras bientôt dans les tos. À moins que la seule chose qui t'attendra ne soit le néant éternel. Et pourquoi il m'en veut, Iron Man? Et je te promets, j'ai pas essayé de Ken Pepper. Ok, bon. Il est pas très cool, Iron Man. Si on passe derrière, il nous attaque. Ça fait cool ça. Ok. Fais juste pas mais. Une victoire sans honneur ne peut être considérée comme une véritable victoire. Je ne sais pas ce que notre maîtresse a pu voir en toi, mais ce n'est sûrement pas du cran. Même les recrues de notre clan avaient au moins la naissance de ne pas attaquer dans le dos. La prochaine fois, je te réduirai en pièces et j'irai moi-même offrir ton essence au docteur Progène. Monsieur Itur. Tout notre clan a été capturé. Je suis fichu. Mais il reste peut-être encore un espoir pour les autres. Mon pouvoir pourra peut-être t'aider. Même s'il ne vaut pas grand-chose. Les petits jingles de l'époque comme ça, ça manque hein, dans les jeux vidéo. Chaque fois que tu fais un truc bien. Shuriken! Ah, ça bouffe des SP. Je me disais que c'était trop beau. C'est dans les Shinobi ou les Shuriken, tu peux les envoyer à l'infini, je crois. Le Dr. Project, il est pas là, Robotnik? Il a été occupé. Alors. Ah, du coup, attends. Oh, on peut revenir en arrière pour compléter les chapitres et tout. On se... Ah, cool. Il y a un petit côté Metroidvania et tout. Ok. Complexe du traitement.
c'est max. Ok, là-bas, il y a quoi? Des mécaniques. Peut-être aussi avec la croix pour voir. Ça cliquait beaucoup la croix de la série. Coucou Minkaper, comment tu vas? J'ai vraiment des boules de feu. On lui envoie du magma en fusion dans la bouche. Moi j'ai niqué tous mes speed points. Et dans le dos, voilà. Comme un vrai bon ninja. Et tout la musique. Il y a des trucs là-dedans, d'accord. Voilà, parfait. Okay. Je sais pas ce qu'il faut faire. Faut laisser monter le truc et on va progresser là-bas. En fait c'est cool le côté Megaman, Metroid et tout, où tu peux choper des trucs en plus selon comment tu joues et comment t'explores. Enfin, comme dans les Megaman X. Moi. Nom 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 nom. Oh, il est sympa le level design. Alors, doucement. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Oh! Amélioration. J'aime bien. Ça, c'est des sortes de mini-eux. Des petits ennemis à la con. Okay. Putain, c'est dur de les avoir directement quand ils sortent. J'enchaîne direct. Oh bien! Yes. Moi j'hésite à taper dans les murs, il y a plein de passages secrets. Oh, on peut pas l'avoir le truc en tapant dedans. Le truc pour péter ce mur, peut-être qu'on a pas encore la bonne arme ou le bon truc. Ça marche pas avec les shurikens. Il y a des niveaux qui en plus ramènent leur gosse quoi. Oh, bites. D'accord, et ça permet de faire popper encore plus d'ennemis. Oula, dommage. Merde, retourne-toi. Enfin. Il y a un gros ennemi. Oula. Ok, ça passe. Ah, c'est pas fini. Ah non, si, c'est fini. Ok. Mais c'est le jeu Ninja Impact en fait. Ninja Impact contre les robots mutants. Ninja Impact, magie et voyage dans le temps. Ah, j'ai pas connu, c'était Club Dorothée ça. Ah, ça va, lui, il y a 15h, je me laisse pas beaucoup de temps avant le taf. Ah, tu bosses à quelle heure ce soir? Ok. C'était pas très cool ça. J'ai quand même sauvegardé le fait que je vais le passer. J'ai juste eu le temps de sauter en me disant tiens, il est bizarre ce bruit. Y'a un drôle de bruit. C'est quoi? Les ennemis qui s'en foutent totalement du laser. On va pouvoir le mettre à faire. C'est le moyen de sauter jusqu'à là-bas. Face à choquer ou pas face à choquer? Je sais pas. C'est mes chouquettes. Voilà. Pas trop pour en avoir toujours soi-même quand même. Viens par ici. J'ai hâte de voir ce que ça nous donnait la thune. Je sais pas si c'est de la thune, si c'est un truc spécial ou pas. Ah bah rip. Bien. On est à dans le dos aussi, one shot. On va rentrer là. Dommage. Passe. Ah, j'ai plus de cheveux mais ça va. Non, ça va peut-être même pas le plus. Ah ça vient de là, d'accord. On peut monter si on a envie. Merde, je pensais qu'il était encore du dos. Bon, j'ai attrapé. On va attendre qu'il se retourne. Ah Karina, yes. Non. Ok.
D'accord, ça one shot que si c'est avec l'épée de ta maman. Dommage. Dommage. Ah, oh, tu as le temps, t'es là, t'es là. T'as l'impression que ça change vraiment pour longtemps en fait, pas du tout. Bienvenue à toi Zoyberg. Ah, fan de pute Kurama. Et merde. Ouh, il y avait un dé à Zoyberg. Et bienvenue chez Coffees. Ah, y'a pas les mamans. Bon, on les aime bien les mamans ici, c'est pour ça qu'on parle souvent d'elles. Hop-y. Yep. Là. Viens. Ah. Hop-y. Pourquoi je m'embête à aller te taper alors qu'on sait qu'il va mourir. On va faire ça. Par contre, j'ai déjà fini ma vie. Bien. Un petit peu. Voilà. Voilà bas. Attends, on n'avait pas réussi à les abattre tout à l'heure. Comment j'avais fait? Il y aura un interrupteur quelque part. Ah, là. Peut-être que tu regrettes d'avoir un bon ton tissu synthétique. Non, je vais répondre à un truc ultime, mais je vais éviter. Un petit peu. D'accord. Et là, du coup, on tombe plus dans le vide et ça marche mieux. Je me rends à chaque fois 3 mètres avant le checkpoint. Hein. Ça devient une mauvaise habitude. J'ai un peu bouddhié les capsules de service, nous devrions avoir accès à de nouvelles fonctionnalités. Certains auront tout de même besoin d'une décharge d'essence pour fonctionner de correctement. J'ai partiellement activé celle-ci, mais tu vas devoir en rajouter encore un peu. Une fois une fonction activée, elle reste le reste et peut être utilisé autant de fois que tu le souhaites. On peut le taper notre pote, est-ce qu'on peut le faire mourir? En fait j'allais dire Voltim, oui ici on parle que des mamans, on parle pas des sœurs non plus, mais on sait jamais, des fois ça peut être les deux. Hein. Un petit coucou aux gens du Nord-Pas-de-Calais. En vrai c'était sympa le Nord-Pas-de-Calais. Réparation esprit, réparation automatique, synthèse d'objets. Ah! Alors SP ça doit être décor. Je comprends. Donc en fait c'est avec ça on se guérit. Non, avec ça on récupère des attaques avec le truc, avec ça on se guérit, avec ça on a un petit bonus en plus. Ok. Donc c'est un marchand. C'est un marchand. Regardez pour des moments où ça sera plus hard. D'accord, il y a un boss. Je crois que c'était à le moment où c'était un petit peu plus hard. Là le long ilan ça aurait été bien par exemple en fait. Voilà. Et là du coup je peux pas taper. Fire. Dommage, c'était plus pas la bonne hauteur. Et ta maman. Ok. Donc là on va prendre un petit long lame. Voilà, parfait. Parfait. C'est beaucoup plus simple avec ça. En tout cas ils sont cool les boss. Enfin, pour l'instant les deux que j'ai vus sont sympas. Merde. Casser un peu. Non, c'est pas du tout dommage. C'était parfaitement calculé pour casser les pieds. Là. Ça a ramagé un petit coup. Dommage.
Ah, j'aurais presque pu le faire en hit. Vraiment sympa le principe, hein. Vraiment sympa le principe. Yay! Merci Jaja. Et du coup, tu l'appelles maman ou grande sœur? Non, je vais éviter de creuser plus loin, Multim, je vais avoir des soucis. Là, tu me tends des perches qu'il ne faut pas que je prenne. Ah, il faut faire son appui sur... Ah, blablabla. Ah, du coup, on les récupère à chaque fois, c'est cool. Je vais être ban Twitch, c'est ça, et je vais être ban de mes amis aussi. Bon, j'ai beaucoup d'amis et de collègues rencontrés ou qui viennent du Nord-Pas-de-Calais, donc on va peut-être éviter. Merde! Non, mais sérieux. Bon, du coup. Le truc quand même sympa. Bon, est-ce qu'on veut vraiment ramasser le truc qui est en dessous? Génial. cette mort à chaque fois 3 pixels plus loin. C'est bon, j'ai avancé. Ah ben non. Ça fait farmer. À part. Là. Bien. La grosse bestiole. Fais gaffe. Ok, on est bien. J'ai ouvert une petite interruptole. Ouh. Et quoi? Encore un nouveau bonus. Je me demande ce que ça fait quand on aura les 3. Vraie famille gentille. Franchement, la musique, elle est bien, elle agresse pas les oreilles. C'est le souci avec les sons vivides, des fois ça peut être rythmé, mais de. Niquer un peu les tympans. Là, c'est juste comme il faut, c'est smooth. C'est futuriste, rythmique et smooth. C'est que deux. J'ai envie de caresser la musique. Ça joue tout seul, c'est comme pour Shovel Knight, c'est rétro, mais c'est pas lent du cul, c'est pas compliqué, c'est pas, t'as pas l'impression que tout est au pixel perfect, et pourtant ça joue pas. Ouais, soliste, ça change le New 2, ouais, on joue au mode rétro. Attendez, on verra plus tard, ça coûte de plus en plus cher en plus, fais gaffe. Je garde ma tenace. Passage secret. J'aime les passages secrets. Non mais comment je vais faire pour ça? Bien. Comment je vais faire ça? Merde. D'accord. J'ai plus de shuriken, hein. Ça me fait peur les pics à côté. À chaque fois, il te file qu'un seul shuriken, c'est une foire, c'est mort, quoi. Bien. Et là on gagne quoi? Oh. Ça va être les... D'accord, les exploits. Je crois qu'il y a quasiment la même chose dans le... Dans... Shovel Knight. Franchement, Shovel Knight, c'était présenté à peu près de la même façon. J'ai trop envie de me ressortir un de ces 4 et de refaire tout ça avec vous. Les Shovel Knight, c'était cool, les DLC, c'était cool, le jeu était cool, le 100% était cool, tout était cool dans Shovel Knight.
Le dernier DLC, j'ai moins aimé, en vrai. Mais le reste, c'était vachement cool. Salut Ulrich, comment tu vas? Ah, franchement, très sympa, Uni. Je vais dire des bêtises, je retourne coder, je vais bientôt créer ma fenêtre Windows d'apprentissage juste pour créer une fenêtre. D'accord. Bon, courage à toi. Ça sent le boss. Ah non, ça sent juste le gros ascenseur avec plein d'ennemis blancs. C'est classique. Voilà, doucement. C'est bon. Voilà, c'est mal. Voilà. Ça je prends. Je prends au max. Aussi son max, c'est plus important. Bien. Enfin, c'est plus non plus dangereux les ascenseurs hein, de jour. Alors dans le futur vous avez eu. Bon bah rien de fou. On a pas encore de double saut, ça me fait bien. J'espère qu'on aura un double saut. J'adore les double sauts dans les jeux vidéo. Je trouve que c'est juste la meilleure feature des jeux de plateforme. Et double saut. Réparation automatique gratuite, ça sent le boss derrière. Ouais, c'est ça, c'est fluide, ça réagit au quart de poil, c'est. J'aime. Attends un petit peu. Ça lui marche dans la pluie, Non, y'a pas de soucis. Voilà. Ça y est. Ah putain, je suis con. J'ai pas eu des cœurs, ça, c'était un œuf d'ennemi. Tout se passe bien. Et soudain, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus rien, il n'y a plus de difficultés. Kofi fait n'importe quoi. Voilà. Bien. Là. Bien. Ah, d'accord, il explose quand on tape dessus, donc il vaut mieux l'avoir à distance. Voilà. Chier lui. Il meurt. D'accord, les deux, si on peut ne pas les exploser, vaut mieux pas les exploser. Ah d'accord, il explose pas en mourant, mais il peut continuer à tirer en fait. D'accord, j'étais prêt. Rien à péter dans les murs. Bien. Un peu. C'est mauvais timing. Hey, salut Amigeta, quand tu vas? Voilà, bien. Mis en tête en tout cas. Oh putain, mais ah, j'avais pas vu la petite fumée là. Je vais y faire pour le moment le temps d'aller chercher quelque chose. D'accord, des bisous light. Yep. J'ai pas vu. Bien, on va faire ça. Bien. Pose. Ouais, c'est ça pour pack. Nickel, Mimita. Il faut un bon petit jeu, donc ça va forcément bien. Prends son temps. Ah, j'ai plus d'une de ninja. Je crois qu'il y a. Bien. Bien. Et reviens. Ah merde. Très bien. Avoir. Attention, passe, ok. Passe, après j'ai, je suis mort. Ils sont très malheureuses. On va
Voilà. Bien. Voilà. On va pas remonter sans se faire laseriser. Là, faut avoir un décalage de 1. On est bon. Voilà, parfait. Petit checkpoint. Bon, ça va, ça va. On va rien acheter. Je préfère faire mes économies si à un moment c'est un peu plus dur. Alors, comment on fait pour monter? Ah, c'est une porte. Ah, mais il y a un truc qui a l'air d'être sympa là-haut. Allez, on va reprendre récupération esprit. Voilà. Ça se trouve, il y a un truc intéressant là-haut. Ouais, on a perdu de l'argent quoi. Sauf si c'est un boss, on va être bien content d'avoir le shuriken. Merde, sauf si on les balance du mauvais côté. Voilà. Je crois qu'il fallait pas de l'avoir. Rien dedans. Je crois j'ai l'impression que t'es loot en fait, non. Ouf. Ah, presque. Pas derrière. Oula. Ah non, dommage. On était pas loin, on était pas loin. Là si on fait la même chose et qu'on arrive à lui balancer du shuriken bien dans la gueule cette fois-ci, ça pourrait être cool. Quand même la longue jam, mais c'est quand même agréable là. Il est pas simple du tout, il paraît con ce boss, mais il ne l'est pas du tout. La longue jam, ça permettait d'avoir une petite écu quand même. Bon, on était pas loin. La prochaine, c'est la bonne. Au pire, je prendrai la longue jam s'il y a vraiment trop. Je peux pas garder ma thune. Merde. Il va changer de pattern. Ah putain, c'est au prix. Je m'y attendais pas à ça. Je m'y attendais pas. Ça va. C'était une surprise de courte durée. Ah non. Ah. Pas du tout. Double surprise. Non, encore. Le pattern est pas trop méchant. J'ai plus qu'un point de vie, hein, je vous rappelle. Ça va. On me dit pas qu'il va continuer. Putain, il continue ce salaud. Ah, d'accord, on peut pas l'avoir. Merci tout le monde. Vous le trouvez comment pour l'instant le jeu? Mais putain, si ça c'est le début, j'imagine même pas la fin. L'explosion du réacteur a tué la majeure partie des membres de notre clan. Et les autres ont été capturés par les synthétiques. Ils ont drainé toute ma puissance afin d'augmenter la valeur. Notre maîtresse doit être libérée avant que tout ne soit perdu. Et de 2 sur 4. Mourir contre ta petite bête, ça aurait été marrant. Non. Non, ils étaient pas 4, ils sont 7 finalement. Comme les nains. Attaque au sol, ok. Ok. Ça envoie des bruits de feu en l'air, c'est bien. Enfin, un moment pour souffler. Bon, je crois qu'il est temps de te mettre au jus. En arrivant à Mecha City, tu pourras remarquer que les choses ont changé, et pas en mieux. Voyons, par où commencer. Vous connaissez le docteur Progen comme l'un des plus brillants esprits de Mecha City. Il a entre autres conçu des machines capables de fonctionner de manière totalement autonome. Des humanoïdes synthétiques. Ces derniers ont été employés comme ouvriers, comme policiers, comme domestiques, et j'en passe. C'est bizarre, ça me rappelle un petit peu Megaman tout ça. Mecha City était prospère et en sécurité, et notre clan était considéré consacré corps et âme à la préservation de cette paix. Notre implication était totale. Des missions d'élimination de 6 synthétiques souffrant de dysfonctionnement furent menées en secret. Mais un jour, notre maîtresse fut victime d'un malencontre existant. Rayon blessé, ça ne tenait plus qu'un fil. Désespéré, le docteur Progen tenta par tous les moyens de sauver notre maîtresse.
mais d'étranges rumeurs se mirent à circuler. Il était question d'expérience contre nature, de disparition, et notre clan commença à se disséquer. Et puis, il y eut explosion. La ville fut entièrement rasée. Suite à cette destruction, toutes les machines commencèrent à perdre la tête. Et le docteur Progen, rendu fou par le chagrin, se mit à changer de manière radicale. Désormais, son armée de synthétique traque les survivants à travers ce qui lui reste de ce qu'il reste de mécanisme. La situation est désespérée. Nous avons réussi de justesse à te sauver. Mais tout ce qui compte, à présent, c'est de trouver et de libérer notre maîtresse. Si tu échoues, Mekasiti ne sera qu'un début. La destruction continuera à se propager. Les morceaux. C'est aussi bon que Chouel, je vais clairement le prendre, oui. Ouais, c'est moins... Enfin, c'est plus action plateforme que plateforme par rapport à Chouel, mais c'est, il est vraiment cool pour l'instant. Et paf, ils font péter un réacteur Mako. Et oui. Je sais plus si on a... Non, vous l'avez, vous, là. Et paf, ça fait des chocs à pic. Visuellement, ça fait penser à Metroid, ouais. Après, c'est pas tout à fait le même gameplay, en effet. Oh, et t'as dit dans un piel, mais c'est ça. C'est le genre de jeu que je n'achèterai jamais, mais dont je vais suivre un été sur plusieurs années. On est cœur déjà. Alors... Ok, et ça sert à quoi du coup? Ça peut nous permettre de retourner en arrière, c'est ça? D'accord. Ok. Donc après on pourra retourner en arrière s'il y a besoin pour visiter les trucs. On peut faire ça? Non. Forcément monter. Ok. On peut les taper? Oui. Voilà. Bonne façon d'utiliser le nouveau pouvoir. D'accord, en fait il nous suit vraiment mais à la verticale. Ok. Je pense que ça va être très chiant quand on va y en avoir plein sur des phases verticales. Justement. Ouais, là ça fait vraiment penser à la Metroid. Ouais. Ça fait penser à F-Zero la musique là par contre. Paf. Voilà, hop. Yeah. Wow, wow. Oh. J'ai l'impression que les points de sauvegarde sont de plus en plus loin, éparpillés. Ça me fait peur. Ça me fait très peur. Enfin, il va falloir faire des niveaux complets comme ça, j'imagine. Voilà. Ils ont des Terminators, j'espère pas. J'espère pas. Hop. Ça, la technique c'est important. Merde. Poursuivi faire une feinte et en fait c'est pas feinté comme ça. Les carrières viennent quand même. Oh, dommage. Merde. Je reviens. Le retour du Jedi. Bam. Punaise. Ça va être pas. Ah, ils ont des Terminators en effet. Est-ce que ça choquait pas avant, on sent? Non, même pas. Déception. Voilà. Bien, checkpoints. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On a un train. Enfin, c'est un passage de fou ou pas ça en fait en vrai? Je peux pas monter au-dessus donc j'imagine que oui. Et c'est du tout non. C'est un chapitre autant de checkpoints qu'à la fin de Dragon Ball sur NES. Ne me dis pas ça. Dragon Ball. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait Dragon Ball sur NES, bon, déjà, j'ai envie de vous dire que tant mieux pour vous parce que vous avez évité ça. Pendant des heures. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas fait Dragon Ball sur NES, en fait, vous avez le scénario des deux premiers tomes de Dragon Ball sur, je sais plus, 6 ou 8 chapitres. Et après, il se passe un truc totalement what the fuck avec des extraterrestres et tout. Ça se passe sur je ne sais pas combien de niveaux.
Et si vous mourrez, vous recommencez au début de tous ces niveaux. Pas au début du niveau, mais au début du moment où ils ont arrêté la vraie histoire. Coucou Mix, ça va et toi? Et c'est terrible. On a fait le jeu à legit jusqu'à la fin du vrai scénario. Après la fin, il y a un moment où j'ai fini par faire péter les checkpoints, hein, les sex tapes, parce que c'est pas humain. De toute façon, le jeu de base n'est pas humain, alors la fin c'est encore pire. D'accord, c'est carrément des lance-flammes ici. Oui, il y a de la tunasse là où je voyais. On peut pas. Non, il fait peur lui. D'accord, il a un patin de coucou, on dirait. Yes. Passage à gauche, mais bon, je récupère toute la tunasse. Voilà. Franchement, pour rien au monde, je retouche à Dragon Ball Ness. Même pas avec un bâton. Même s'il est magique. Ouf. Pourquoi si on repart par là-bas? D'accord, c'est fait exprès. On va redescendre. Il y avait un passage secret à gauche. Moi, je pensais que c'était le vrai passage. Et c'est guéri. Ah, c'est faire couper les loots. Il y a moyen de farmer ici en fait, du coup. Grave. Il faut du courage, de la patience. Ouais, il y a ses doigts, c'est le passage secret. Moi, je pensais que c'était le vrai chemin, du coup. J'ai tellement vu à quel point c'était pièce. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné, du coup? Un point de vie en plus ou. Ouais, c'est ça, un point de vie en plus, tout simplement. C'est à peu près, je prends dans mes révisions pour le bac français. J'offre un sub à celui qui va à ma place et qui chope une bonne note. C'est pas très rentable. C'est comme si tu disais à quelqu'un je t'offre un kebab pour que tu fasses ton bac à ma place. C'est la même. Et moi-même contre 100 kebabs, jamais je repasse ce bac. Hein. Ou n'importe quel examen. On s'est trop bouffé dans la gueule avec les études. Je fais encore des cauchemars la nuit où je me réveille. Où, j'ai l'impression d'avoir pas révisé ou bien examiné des trucs comme ça, je vous jure, ça m'a marqué. C'est sur PC, Ulrich. C'est la version PC. De rien, Vimix. Mais pire quand même, c'est de réveiller en me disant putain, j'ai raté le cours, je vais pas pouvoir le rattraper. Alors qu'en fait, maintenant c'est toi le prof, c'est un peu con quoi. Merde. Ah, mais arrêtez de vous reproduire entre vous là. Oui, j'ai cette demande. Ça reste un petit peu au sol. Il y a cette taille importante. On peut passer en dessous, c'est vrai. Merde, dommage, pas ouf. Ok. Bien. Merde. Voilà. Attends, demi-tour. Bien. Bien, on est bon. Non. Non. Moi, il faut pas. Commentaire composé, intro partie, sous partie conclusion, texte poétique ou théâtral et quel moment littéraire. C'est bon, je pense que je ferai des cauchemars ce soir. Non, ça va, le bac français, c'est pas celui qui m'a posé plus de soucis. Hein. En plus, j'ai cartonné à l'oral. Par contre, c'est ça qui est con, c'est quand tu cartonnes au bac français alors que tu fais un bac SP maths. Quef 2, j'ai une bonne note, youpi! L'année d'après, t'as maths Quef 9. Ah!
Et est-ce que vous voulez vous marrer, les gens? Attendez, je sais pas si on peut trouver ça sur internet, mais la moyenne de maths de 2008. La moyenne du bac maths. La moyenne de. Ils nous ont saqué un bac. Une épreuve de bac maths. Moyenne. Maths. Bac. S. 2008. Même les mecs qui avaient 15 années, ils se sont tapés des trucs du genre 2 ou 5. Je sais pas si on peut retrouver les moyennes par année. Les moyennes mondiales, enfin de France. Je sais pas. Si quelqu'un trouve, ce serait vraiment bien. Mais franchement, c'était une catastrophe. Je me rappelle que il y avait une nana qui était totalement en larmes, qui avait genre 17 ou 18 de moyenne en bac à l'année. Et ça trouvait avec 2. Il était vraiment merdique. Les énoncés étaient merdiques, le sujet était merdique, il n'y a rien qui était cohérent. Un petit peu armouillé. Ah putain! Je m'attendais pas à ça. J'imagine que ça repop sans arrêt en plus. Et tout doucement. Bien. De toute façon, c'est le gros souci en fait avec le bac. C'est souvent quand il y a une année, une épreuve où il y a des trop bonnes notes, l'année d'après elle est merdique. Hein. L'année d'après elle est merdique. Que je fais ça. Dégueulasse. Il y a un bonus sympa et je peux pas le choper. Pour ça, c'est un petit peu le loto des fois le bac quand même. Ça dépend de l'année où on le passe. Loto. Si on bosse, on l'a, mais je veux dire, au niveau de dimension ou des notes par rapport aux matières. Un petit peu plus le tout par exemple. Hop. Oup là. Ouf, j'avais pas vu qu'il me restait qu'un point de vie. Merde. Là, doucement. Là. On est bon. Bien. Là, comment je peux faire? Je comprends vraiment pas. Ah, mais je suis con. C'est vrai qu'on a un nouveau pouvoir. C'est vrai qu'on a un nouveau pouvoir. Bien. Bien. Plein de thunes, on en aura besoin après à mon avis. Où c'est quoi l'épreuve de bac qui vous a posé plus de problèmes à l'époque? Parce que chaque année ça change. Ça dépend des SP aussi bien sûr. Bien. Là. Ah! Je vais me retourner et en fait on peut pas se retourner quand on tape. Ça fait très bien. Ok, ça fait un gros raccourci, tant mieux. Physique chimie, j'ai jamais rien bité. Ah, nous, ça a été super bizarre, physique chimie. La physique chimie. Il y a une partie des points où c'était des questions où il fallait répondre presque par vrai ou faux, en fait. Notre année. Sauf que c'était des questions qui étaient pas toujours très logiques. J'ai jamais vu une épreuve de physique chimie comme ça, c'était hallucinant. Et pourtant j'en ai fait des annales. Hein. C'est Dark Angelus, franchement le bac 2008 il était bizarre. En tout cas en science. Histoire géo, j'avais eu entre 16 et 18 de moyenne, au bac j'ai eu 8,5.
Là, moi, c'était avec la philo. J'étais à plus de 15 à l'année et au bac, j'ai fait 4 copies doubles blindées. J'ai vraiment rédigé sur les 4 heures complètes et j'ai eu 9. J'étais deg. Mais des fois que je le vois en stream, ce jeu, il a bien. Il est vraiment très sympa avec Plus Dark Angelus. Très sympa si t'aimes bien le côté rétro. Leur leader contrôle une arme qui flotte au milieu des nuages. Se déplacer à découvert revient à se mettre en danger. Il doit rester caché à l'intérieur. Alors c'est quoi, c'est des mines ça? C'est une sorte de mine. Et moi où c'est un... Parce que là le thème je l'ai entendu tout à l'heure, non? C'est une sorte de remix du thème du jeu en fait. Ils ont remixé leur propre thème, c'est bien. Ouf, d'accord. C'est violent. Oh bien. Ah d'accord, je peux comprendre. Faut taper quand c'est quand il est mis au centre. Merde. Sinon ça fait ça tire sur les côtés la mine. Ouais, donc, on tape dessus. Ok. Attention de tous les civils. Ceci est une transmission automatique. La cité et les îles environnantes sont désormais ceintes d'un périmètre de sécurité. Veuillez rejoindre les trains afin d'évacuer la zone. Un jour, j'aimerais vraiment bien faire des musiques chiptune sur ordi. C'est tellement classe. Mais arrête de m'inviter, toi! La meilleure! Raté! Et... Enfin, avec la ville en flamme derrière et tout, c'est tellement bien fait. Franchement, c'est cool sur le jeu. Punaise! Oula. Je sais pas ce que c'est en bas, mais d'accord. C'est une prévention pour le boss. En fait. Alors, je sais pas si c'est un boss ou un mini-boss ou quoi. Ça va pas, ça va pas, ça va pas! Ça tire dans tous les sens. Putain, j'ai pas vu les petits trucs là. Ouais, sérieux? Voilà. Ça va en fait, ça fait des éclats, mais ils sont pas très loin. Parfait. Ça renvoie les boules de feu qui en sont faites. Enfin, le gameplay est vraiment bien pensé. Hein. Franchement, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir fait 5 minutes de jeu où le gameplay était identique en fait par rapport aux ennemis, par rapport à la structure, par rapport au. Ah putain! Le petit aller-retour qui m'a fait mourir, dommage. Non, mais c'est vrai qu'il faut que je me retape lui. Non, c'est bon. Ah, mais quelque part, c'est pas plus mal. J'avais pas récupéré le bonus. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bisous, Milan, quand tu vas? La Shadow, faudrait que je me prenne Switch. Il est sorti sur quel support exactement? Parce que. Tu sais quoi, je prends sur PC parce que. Voilà quoi, je joue à la maison sur PC, je suis bien. Pour les streams, c'est facile. Mais il est sorti sur tous les supports ou il sort en décalage sur certains? Oula. Comment? Ah merde! Ah! T'as niqué, écoute. Bordel le... On va y arriver. Faut juste que je balance mes shuriken, comme ça on est sûr. Comme ça on est sûr. Yep.
Bien. C'est juste les shuriken exprès. Faut les utiliser et puis c'est plus. Attends, voilà. J'avais pas vu lui. C'est plus qui a tué, c'est parfait. Hop, pinasse. Mes amis sont prisonniers, ni vivants ni morts, dans le néant entre ici les tous. Je dois continuer à s'ouvrir, même si je subirai le même sort. Franchement, c'est sympa en plus les petites thématiques et tout. Ok, donc il récupère vraiment l'énergie des gens vivants, quoi. Les amis qui ont ripop pendant ce temps-là, sympa les gars. Ah. Mais, je tapais dedans! Tapais dedans! Oh merde! Ça fait gaffe, là c'est mort. Attends, faut que je joue mieux. Mieux que ça. Ah, de la vie! Bien. C'est vraiment de la vie? J'ai pas l'impression d'en avoir récupéré. Partout maintenant. Non mais mes coffres. Oh mes coffres. Je crois qu'il y a de la thune dedans. Rien là-dedans. Ça semble un passage secret. Non. Et mais il m'a piqué mes trucs qu'il y a dedans. Attends mais c'est quoi cette merde? Attends mais sérieux? Quoi? Quand tu changes d'écran, il continue à tirer dessus. Attends, c'est quoi l'arnaque là? C'est quoi l'arnaque? Comme ça. Ah merde. Il m'a tiré dessus peu plus long que d'habitude. Bien, il se fait suicider par les méchants. Merde! Avec l'effet. Par là-bas, tant pis. C'est vrai qu'il se fait avoir en deux coups, lui. Mais j'ai pas mal de coups. Là, on prend, j'ai plus de vie. Là, il tire de plus en plus vite le truc là-haut, j'ai l'impression. Voilà. Oula, doucement. D'accord, ça finit un plus de vie, mais pas à ma cuillère en fait, ça. Ok. Ah putain! Oh oh oh! Nikros qui fait péter le VIP! Hop, VIP! Nikros, bien à toi! Et voilà! Deux VIP aujourd'hui, pas mal! Bon, maintenant faut juste bien jouer. Faut que je comprenne qu'est-ce qu'il faut faire à gauche en fait. On peut pas le choper direct, j'en sais. D'accord. Bien. En fait sinon il y en a si bien. Je pense que c'est refus d'énergie à chaque fois qu'on tape. Voilà. Nickel. Non, pas du tout, c'est un jeu de par les créateurs de... Alors, je sais pas si c'est eux qui ont édité ou si c'est eux qui ont fait de A à Z. Par les créateurs de... Troll Knight.
C'est un jeu D&D qui est sorti il y a une petite semaine, une bonne semaine même peut-être. Et là on n'est pas sûr de la NES mais on est sur du PC. D'ailleurs encore un grand merci à GOG de m'avoir donné une clé sur ce jeu parce que j'ai vraiment de l'œil, je vais vraiment découvrir avec vous. Merde. Yop. À l'intention de toutes les civils, ceci est une transmission automatisée. La cité et les îles environnantes sont désormais saintes d'un périmètre de sécurité. Veuillez rejoindre les trains avant d'écouler. Plus Megaman que Metroidvania, mais t'as quand même des trucs cachés en fait pour revenir sur des anciens niveaux. Pour récupérer des bonus en plus. Mais en fait, c'est niveau par niveau par niveau. C'est longitudinal. Mais après, t'as beaucoup de trucs aussi en vertical. Alors. Par contre, tout à l'heure, je vais choper la lame quand même. Là, j'ai plus rien. Là, je suis à poil. J'aime la reprendre parce qu'il est bien sympa là. Oh, ah bah non. Ouf. Hop. Merde. Bien. Je vais voir pourquoi comment les péter les trucs orange, ça sûrement pour plus tard avec un nouveau pouvoir. J'avais senti, j'avais senti. Bien. 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 Très bien. Bien. Yes. Ma vole. Pourquoi je laisse passer les ennemis qui rebondissent comme ça? Après ils me reviennent dans la gueule. Forcément. Oula. C'est bon. Oula. Oula. Pas ici. Oh attendez, j'ai récupéré un nouveau bonus. C'est trop bien. Ça tire automatiquement. Ça fait un bouclier et bam. Un petit peu à la R-Type. C'est cool ça. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, bam. Parfait. Les trains se sont arrêtés. Personne ne pourra plus en sortir. Je crois bien que c'est pour nous la fin. Ça passe à travers les murs, c'est trop bien. Bien. Yes. Le max déjà. Là. Yep, on va mettre ça. Ah mais il est overpété ce bonus là en vrai. Mais là, dans ce niveau-là, mon nid, c'est pas pour rien. Vu le bordel que c'est. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quel sujet? Ça, ça va. Ah, j'ai perdu mon. Pourquoi j'ai plus mon bonus? Est-ce que vous pensez que en bas c'est un passage secret? Évidemment, c'est ta faute. Non. Là, vous voyez, on dirait vraiment qu'il y a moyen de descendre en bas là. Encore le bon pouvoir. Faut que je tape avec mes fesses par terre. Je vais voir comment on tape avec ses fesses par terre. Oh oui. Il y a des malfaisers. Oh, c'est bon. Non. Alors, ça sent le boss dans pas loin. C'est du longtemps qu'on n'a pas eu. Celui qui contrôle l'arme aérienne traque ses proies depuis le sommet sous-bâtiment. Là où il pose le regard, l'arme frappe et nul n'est en mesure de lui échapper. Oh, ça fait plusieurs fois qu'on lui échappe là. Je crois qu'on a très bientôt un checkpoint. Oui. Vous savez ce que ça veut dire ça les enfants? Ça veut dire qu'il va y avoir un boss juste derrière.
Oula. Lancer des pouvoirs comme ça pour l'instant. Y'a plus de bateau! Ah, par contre, moi j'ai plus de vie. Ah! Ah! Putain, j'ai encore de l'énergie? Ouais. Putain, il reste plus qu'un point de vie. C'est à ce moment-là que mon nom apparaît. Allez. Est-ce que ce sera le Maltéser de la victoire? Oui! C'est pas beau ça. On a déjà reçu un nouveau fauteuil hier, c'est devenu le fauteuil du chat. C'est peut-être le chat qui est devenu le chat du fauteuil, non? Qu'est-ce que c'est? Hunter Progen vole nos pouvoirs afin d'augmenter les siens. Il cherche à accéder au secret que protège notre clan, Letos. Cherche un hôtel qui t'aidera à se souvenir. Et maintenant, on va avoir un nouveau pouvoir qui va nous permettre de casser le sol. Cool. Cool, cool, cool. Bam. Ah d'accord, donc en fait c'était pas un passage secret, c'est un passage principal qui est en bas. Si je m'en fais avant. Merci tout le monde. Bam. Bam. Il y a un passage à droite et un passage à gauche. Lequel est le vrai? Lequel est le faux? Lequel est le passage secret? Là, si je vais à droite, ça mène où? Ok, donc en fait, à gauche, c'était bien le passage secret. Là, près du réacteur, c'est l'endroit où notre maîtresse a subi les traitements. La partie du complexe qui se trouvait sous la surface semble encore intacte. Je dois mener une enquête. Je me demande si ça c'est pas des niveaux secrets ou des trucs comme ça. Le chapitre 4, il y a 10 chapitres, 11 chapitres. Non, c'est des trucs où il y a des petits détours. Ok. Est-ce qu'on peut récupérer le truc là-haut? On y aura sûrement un wall jump par la suite. On prend là parce qu'il y a peut-être juste une petite amélioration. Sympa. Merde. Non. Ok. Ce sera pour plus tard. Je m'en fous, j'ai sauvegardé là. Ce sera pour plus tard. Et on go. Bien. Sans l'essence des défunts pleurer sur désespoir. Une supplique de ceux empêchés de passer de l'autre côté coincé entre les gamins. On appelle à mettre un terme à leurs exploitations. À ce qu'on les laisse mourir. C'est dommage, on peut pas récupérer le bonus en bas gauche. Peut-être que plus tard on aura un double saut, un truc comme ça qui nous permettrait de l'avoir. On y est, on aura un truc qui nous permettra de sauter sur les ennemis bientôt. Pas le récupérer non plus. Bon, il y a ça partout ou pas? Non. Ah, on peut nager! C'est trop bien. Un jeunesse où on peut nager. Qui ne soit pas les tortues ninja, incroyable. Ouais, ça va être sympa avec NG+, comme je sais pas s'il y a NG+, sur celui-là.
C'est pas Nicro, le peu de gens que j'ai vu le finir m'avaient plus jamais touché. Putain, ça promet quoi, hein. J'ai pas si hâte finalement. Peut-être que ce sera qu'une découverte, hein, finalement. Il est vraiment si horrible que ça? Pour l'instant, ça va encore. Hein. Oh, bienvenue! Ta sensibilité à l'essence t'a guidé jusqu'ici. Ton don n'est pas sans évoquer celui de nos maîtresses. Tu vas devoir en faire bon usage si nous voulons espérer parvenir à restaurer l'équilibre. Là, on est vraiment le perso principal de Ninja Gaiden. Hein. Bienvenue. Soyez sain, continue de chercher à te ramener vers l'éternel Ethos. Mais tu n'auras pas ta place ni ici ni là-bas tant que ta mission ne sera pas achevée. Ceux de notre clan les plus connectés à l'essence sont également ceux qui subissent le plus son influence. Laissez emporter par ses émotions, ainsi entraîner la chute de notre ami en rouge. J'ai vu un speedrunner Mario 64 et PGM Ghouls and Ghosts expédier un cap sur ce jeu. Putain. Ils sont pas allés par là-bas. Non. Parce que Ghouls and Ghosts. Voilà quoi. Voilà quoi. Est-ce qu'il faut que j'en dise plus sur Ghouls and Ghosts? Après, c'est aussi des gens qui ont l'habitude de. Après. Faut aussi. Faut aussi séparer deux trucs. Parce que justement, les speedrunners, ils ont un avantage, c'est qu'ils poncent des jeux incroyablement bien. Mais s'ils les poncent incroyablement bien, c'est parce qu'ils ont recommencé des milliards de fois. Par exemple, un truc tout bête, la dernière fois, on avait la tondeuse dorée. Saison 3, il y a une équipe avec 3 speedrunners qui sont fait sortir dès le premier tour. Donc ils sont tous très capables et très très bons dans leur domaine et dans leur jeu respectif. Mais quand tu fais un jeu pour la première fois, où t'as pas eu le temps d'étudier, de réétudier, bah forcément en fait, même si t'as des connaissances avancées des mécaniques de jeu, vu que t'as pas appris, tu sais pas. C'est ainsi que nos recrues sont mises à l'épreuve. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Peut-être pourrais-tu leur montrer comment on fait. Ça, maîtresse, les élémentaires, nous n'avons peut-être pas la force de maintenir l'ordre. J'ai essayé des centaines de fois, et les indices énigmatiques n'aident en aucune façon. Mais je n'abandonnerai pas. Atteins le sommet avant ce singe. C'est quasiment impossible. Il n'y a rien là-dedans. Réalise, il n'y a rien auquel tu t'accrocher. Laisse-toi aller et le monde te portera. Je n'ai pas encore vraiment compris ce que ça signifie. Tu vois, en fait, Naoto, c'est un peu comme si en musique. Tu bossais en boucle tout le temps la même chanson. Je connais des gens qui savent très bien jouer 2 ou 3 chansons, qui sont super hard. Et tu vas leur apprendre une nouvelle chanson toute bête et des fois c'est très compliqué parce que c'est du nouveau en fait. Attends, j'essaie de comprendre un petit peu. Il n'y a pas de wall jump pour l'instant. Des fois que. Non, faut juste monter. Ok. Merde! J'ai raté mon deuxième saut. Oh. Défi du gâteau pour ceux qui maîtrisent déjà la frappe aérienne. Prendre sur les lanternes pour gagner de la hauteur, c'est presque de la triche. Ah! Ah, j'ai pas compris. Pourquoi ça fait gagner de la hauteur? Gagner de la hauteur?
Ah, ok. Donc là, par exemple, si je fais ça direct... Ok, j'ai capté un petit peu. Ça permet pas de monter directement là, c'est dommage. Ça va prendre l'aspect inutant. Ça fait un petit tuto. Yep. Ah, c'est de la merde. Bon, c'est vraiment ça bouffait du mana ça. Cette musique on va l'entendre dès qu'on va fermer les yeux ce soir je pense. Tellement on va l'entendre. Ah, j'utilise la croix directionnelle. Je l'ai ici, faut pas. Voilà. Merde. Bien. Voilà. On joue mieux à la croix. Wingcraft. Faire le singe. Bien. On pouvait nager aussi dans Donkey Kong Country. Ouais, je parlais de jeunesse, Uni. Donkey Kong Country, c'est Super NES. Glisser sur les murs. Ok. Donc maintenant, on a World Jump. Oui, on a le World Jump. Cool. J'aime les World Jump. Enfin, ça dépend des jeux, mais... Rien ici, non. Yep, on est quoi par ici. J'ai dit à ma partenaire de continuer et je suis resté en arrière. J'ai encore de bons espoirs de parvenir à m'échapper. Heureusement que nous avons suivi un entraînement dans l'art de la démolition. Les machines sont à l'entrée, je dois faire vite. J'ai bien fait de me noyer un petit peu quand même. Donc là je vais pouvoir récupérer ça. Content. Ok. Hop. Merci. Ça. Merde. Un petit coup de jump là. Hop. Ici. Merde. Attends, il faut réfléchir là. C'est bon. Ah. Alors, comment on doit monter là-haut là ? Pas pareil qu'il fallait. D'accord, c'était un chapitre à lui tout seul. Ok. Ils zigzag dans tous les sens. Il allait se passer un truc, tant pis. Ah, j'aurais pu improviser pour faire le bonus de tout à l'heure. Oula, les ennemis comme ça, j'aime pas, ça m'appelle Castlevania. Voilà. Là, on a quoi? Un petit peu de tenace, ça me va. On a dû activer un truc. À mon avis, on doit retourner à l'entrée. Bien. Ah. Ah non, c'est bon. C'est vrai qu'on a pris deux pouvoirs d'un coup quasiment. Je pensais à tout utiliser.
Voilà. Bien. Bien. J'imagine le gameplay à la fin, ça a donné un sacré bordel avec tous les pouvoirs et tout. Yep, pas ici. On va quand même regagner un petit peu de vida, c'est bien. Voilà. Ouais, il dit quoi lui? Étant donné qu'elle n'est pas passée dans l'éthos, elle doit être pillée quelque part. Ce complexe dispose de structures capables d'alterner le flux des adolescents. C'est peut-être ce qui la maintient cachée à nos yeux. Hop. Oui, des petits pulpes. Y'a pas des trucs pour qu'il par là par hasard? On fait du wall jump? Non. Bien. Bien. C'est pas si dangereux que ça. Je m'attendais à pire. Bah, c'est un petit peu trop le bordel là, à mon goût. C'est bon? C'est bon. Il commence à devenir bien résistant les ennemis par contre. Heureuse que tu aies enfin trouvé cet endroit. Ça fait si longtemps que je suis coincé ici, à t'observer. Je pensais vraiment à perdre espoir. Notre fidèle ami Elgion t'a guidé au fil de ton périple, afin que nous puissions être à nouveau réunis. Il a perdu son corps d'origine, mais son essence rayonne, encore avec tout comme la tienne. Je suis prisonnière au niveau inférieur de ce complexe. Je suis impatiente de te retrouver, mais sois prudent. Te perdre à nouveau serait trop dur pour moi. Hors de question de laisser un détail comme la mort m'empêcher d'accomplir mon devoir. Je continuerai d'obéir à la volonté de notre maîtresse comme je l'ai toujours fait. Cela englobe le fait de te garder en vie, en quelque sorte. Ça, ça a pas trop monté les trucs. Mon chargeur il aurait été cool en vrai. Il y a combien? 50. Hey. Après là je suis pété de thunes en vrai mais... Ah là là. Bien. Petit passage sucré. On va faire pas gaffe là. Yes! Plus qu'un! On aurait une barre de vie en plus. Ah, trop tôt. Bien! Du coup, à partir de quel chapitre ce jeu devient absolument injouable? Merde. D'accord, ok, j'ai une capée. Merde, on peut pas juste enchaîner plusieurs fois comme ça? Non, faut utiliser le jump. Ah! Dommage. Tristesse.
Ça devrait aller. Merde. Oh. Mais... Bon. Autant se mettre à bas, hein. 36, d'accord, donc ça partir d'ici à peu près. Voilà, les mécaniques commencent à devenir très complètes en même temps, donc ça m'étonne même pas. Parce que qui dit complète, dit complexe. Ah, trop tôt. Ah, je pensais qu'on pouvait utiliser comme marchepied du coup. Ah putain, ça fait des dégâts ça aussi? Ok, c'est bon à savoir. Ah, faut que je joue avec la croix directionnelle, c'est plus simple. Faut que je m'habitue aussi. La croix directionnelle de Serix. Bizarre en fait, si vous voulez. Par rapport à une croix normale, en fait, elle a un curvé. Vers le centre, c'est plus creux en fait. C'est super bizarre. C'est pas chiant, mais faut s'y faire, je crois. J'espère. Merde. Bien. Il y a moyen de faire le coup d'épée vers le bas, mais sans utiliser d'énergie quand on en a. Faut économiser un petit peu. Bien. Ah putain, les carrières de concentre en plus. Bien. La même ici. Merde. Bien. Est-ce qu'il y a moyen d'aller par là-bas ou. C'est quand même ou pas? J'ai parcouru tant de chemin, tout ça pour me trouver coincé par des ordinateurs. J'ai jamais été très intrigué pendant les cours de formation au cyberespace. Évidemment, je ne dispose pas de système d'interfaçage sous la main. Il va donc falloir essayer la manière. J'ai glissé, c'est-à-dire glissé. Oh, cartage. Bien. Sympa. Côté néon et tout. Non, c'est au prix de jeu. Ah ouais, je pensais qu'on allait recommencer au début au pire. Voilà. Bien. 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 Merde, j'ai pas essayé à faire ce que je voulais. Putain, j'ai pas toute la vie, c'est pour rien. Parfait. Ah putain, j'ai tout flingué. Dévance un ascenseur bleu et tu essayes juste de survivre en faisant des piquets, mais tu peux récupérer. J'ai pas compris. J'ai pas tout suivi. Ouais, je comprends pourquoi les gens ont commencé à taper des câbles, à péter les câbles à partir de ce niveau-là. Je commence à comprendre petit à petit. J'imagine même pas pour après ce que ça va être. Ça monte graduellement.
finir par prendre le bouclier si ça continue. Hein. Hop, sympa avec. Non, c'est pas comme si je manquais de thunes, mais j'ai tellement peur de manquer de thunes à la fin. De pas tous flinguer. On prend son temps, on prend tout son temps. Bien. Ah mais, d'accord, ça tue vraiment à fond. J'ai plus qu'un point de vie. Hein. Il y en a encore là, un là-haut. On dirait un bout en fait. Parce... Ah putain, putain, putain. Ça n'a pas marché. J'ai plus qu'un point d'énergie. C'est juste ça? On pourrait très bien rester en dessous. Je me suis vraiment fait chier pour rien. Je pouvais juste skipper les ennemis en fait. L'assistant Hagan est resté là-bas. Mais je dois m'assurer que personne d'entre nous ne sort. Docteur Progen a ordonné que la zone soit scellée. Je pense qu'il posait une serrure cyberchiffrage. Et que cyber-sentinelle devrait pouvoir faire office de parfait. C'est bon de la vie. Bien. Regarde ça, comment tu vas? Bien. Voilà. Tant pis la vie, hein. Pas besoin de le tuer. Je sais pas pourquoi il faut que je joue absolument plus. On peut très bien faire sans. Ah mais c'est bon, normalement tu résistes pas à l'eau, t'es une machine. Voyons. C'est pire cascade. Pas mal. Ça y a rien. Non. Bien. Oula. Hop. Ah, on a plus d'énergie, dommage. C'est très Space Invader les trucs en dessous. Hein. Les tanks de Space Invader. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a par en dessous? Merde. Allez, on va récupérer ça quand même, on sait jamais. Il y a plus que utile. Bien. On peut pas taper dedans au cas où. Yep. Bien. Bien, et nouveau point de vie. C'est très Metroid les points de sauvegarde. Les ordi, bah non, parce que dans Metroid c'est des capsules. Dans Metroid c'est des capsules. Le coup des ordi, il y avait dans un autre jeu, mais je sais plus lequel. Et puis je me rappelle de la musique de la sauvegarde dans la capsule dans le Super Metroid. C'est tellement ma jeunesse ça en plus. On en pense pas. Tellement bien Super Metroid. Faudrait qu'on en fasse un petit coup un jour. Je sais que j'ai déjà fait en live mais... Mais quand même. Voilà quoi.
Comme Metroid. Merde. Ça, il va falloir récupérer le coffre de l'autre côté, il peut qu'il y ait un truc intéressant dedans. Je retourne sur la croix directionnelle, c'est plus pratique au final. Est-ce que je récupère? Ah, j'ai récupéré de la vie, cool. J'ai préféré celle où j'ai fait na. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup na. Là. Oh, animation de tapage. Bien. Ah putain de chier de bordel de. Non mais le pire de mes capers c'est que tous les jours il y a des gens qui... Enfin tous les jours peut-être pas mais... Très souvent des gens qui m'ont dit « Eh tu voudrais pas faire une musique ?» Alors elle fait ta 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 ta. Attends je recommence. Ta 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 ta. Attends tu connais pas plutôt le nom ou l'interprète? Non mais c'est simple, ça fait ta 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 ta. À la fin, je dis, je reconnais pas. Mais si, mais ça fait ta 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 ta. Et après, tu fais ah oui, celle-là. Non, je la connais pas. Je sais pas comment la jouer. Parce que sinon, ça peut durer des heures comme ça. Hein. À la fin, tu fais ouais, non, je sais pas la jouer. Ça passe. Sinon, t'entends des ta 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 pendant 3h30. En vrai, ah, chier. Ouais, j'arrive pas le truc en dessous. Oula, merde. Il y a de la vie en dessous. D'abord on n'a pas d'énergie et on se casse. Bien. Il y avait une mécanique pareille dans Shovel Knight avec l'appel justement pour obtenir ses ennemis. À DuckTale. D'accord, il t'attend vraiment pour que te éclatouille à la gueule quoi. Méchant. De les éclater, je me suis fait chier pour rien. Oula, j'ai peur. J'ai pensé que c'était simple ou pas. Et ça file de Thunos. Ouais, mais on s'en fout des émissions avec un rebondier, ils servent à rien à part à rebondir dessus donc. Non! Ah, c'est bon. Si on te file le choix de prendre un gilet pare-balles pour traverser un champ de tir ou de passer par un chemin où il n'y a personne qui tire à côté, tu t'en fous de prendre le gilet pare-balles. Je vais mettre les gars. Voilà.
Voilà. Je ne serais pas trop. Oh, ordinateur! On perd le Total Progen. Il a capturé ou tué quasiment tous les membres de notre camp. Il a présenté que c'était pour mieux. Mais il m'a abandonné. Et il a poursuivi son carnage. Pourquoi m'a-t-il laissé ici? Alors. Si on a pillé ça, c'est pas pour rien. Bien. Oula. Attends, deux semaines. Merde. C'est bon, ça passe. On récupère les teufs. Et on est bon. Peu. Ouh, c'est sympa la bande direct. HP max, yes. Ah non, c'est parce que je les ai déjà. Le jeu qui va absolument me requérir de la vie, après je suis déjà plus live. C'est sympa, mais... Toi, t'es mieux à d'autres endroits, non? Un petit peu plus en biais. Alors, ok, il faut quand même bien le taf qu'on en a. Merde, pas grave, c'est ça. C'est électrisé aussi, ça ou pas? On dirait pas. C'est bon. Ah dommage, du coup j'ai raté le truc là-haut. Bien. Attends un petit peu. Merde. Bien. On est bon. De justesse, franchement là j'ai eu du cul. Hein. Le jeu a été sympa avec moi. Hop, merde. Non, non, c'est moche, c'est moche. Ah, viens jeu, vilain. Ah, il manque un petit pixel. Je veux de la vie. Là, mon effet est plein, j'en ai pas besoin. Maintenant, j'en ai besoin, il veut pas m'enfiler. Oh, c'est moche, j'avais explosé avant. Les blocs de coups. Ce jeu est punitif quand même, vendre erreur, tu prends tarif. C'est ça. Bah, il est vraiment typé rétro sur ce coup-là. Il est punitif, mais il est pas injuste. Hop. C'est pas Dragon Ball NES, quoi. Et relight! Merde, j'ai pas vu l'ennemi. Voilà, bien. Là, on est dans le vide, pas grave. Il y a plein de vie en dessous, je m'en fous, je peux faire n'importe quoi. Il y a de la vie! Ah. Pas à fond. Mais y'en a! Hop, un petit peu. 2, 3. Bien. Merde. Ouais, non. Bon. Il n'est même pas obligé de s'éclater lui. S'en fout. Je m'aide pas. Dommage. Oula.
Yay. Il y a un mec à droite que j'ai pas eu tout à l'heure. Bien. Voilà. On va dire qu'on peut. Ouf, j'ai rien dit. Ah merde. J'ai fait une nawak encore. Donc on peut vraiment pas l'enchaîner vite fait lui. Là j'ai pas encore nawak. Bon, il y a moyen de s'en sortir encore je pense. Là, on chope bien la vie en haut, voilà. Bien. Yes. Il y a pas un petit peu de... Ah ! Merde. Non, bah, je croyais qu'il y avait de la vie là, et en fait non, pas du tout. Du coup, je sais pas du tout comment ouvrir ça. Les portes là, je sais pas du tout comment on les gère en vrai. Ah, dommage. Oh, pire. Voilà. Et le checkpoint, bien. Ça sent les boss, ça sent les boss, ça sent les boss, ça sent les boss. Merde. Ouais, gagné. Et en plus il détruit tout par terre. Ah putain, j'ai pas vu les pics sur le mur. T'es fourbe. Et que mon chargeur il serait tellement bien. Je vais le prendre. Je pensais que c'était l'autre truc avec le bouclier. Mais bon, c'est bien aussi. Ça va être très utile. Ça, le boss, je sens tellement pas en vrai. Oh merde. Ça, c'est un peu stupide. J'ai plus de vie. Ah putain, j'ai plus mon sugar dans le chargeur non plus d'ailleurs. Je sais pas comment on les perd ces trucs là en vrai. C'est chaud. Franchement, il est très très chaud ce boss là. Ouais, c'était comme ça, puis sinon je prendrais le boost d'énergie. Après, l'énergie, on peut récupérer ça un petit peu ici, quand même. D'accord, en fait, ouais, dès qu'on soit un petit peu trop touché, on perd le canon en fait. Je vais pas y aller en mode full YOLO. Ok. Ça a rien de bougé, ouais, c'est à peu près dans le même coin. Voilà, on est quasiment full d'énergie. Bien, bien, pas d'énergie. Merde, ça c'est un peu moche. Dommage, ah dommage. On a fait à moitié. Pas si mal. Et Gizmo, quand tu vas?
Allez, tout ça. Tant pis. Reste calme. Ah putain, il redescend comme ça carrément. Saloperie. Saloperie! Dommage, j'ai perdu mon tir. Ça. Bien. C'est pas là. Doucement. Aussi vite. Ok. Faut juste pas que je me fasse toucher, j'utilise à fond le canon. Faut juste pas que je me fasse toucher. C'est facile. Faut juste pas que je me fasse toucher en fait. Moi je pourrais gagner. Très facile. Ah, j'ai pas sauté assez loin. Bah, dès que je vois, faut que je fasse demi-tour. J'ai pas vu où les repopper. On est full là. Merde, dommage. Ça va pas très bien mon truc de tir. Il y a plus longtemps que d'habitude déjà, c'est bien. Voilà, hop. Ici. Vite. On est prêt. Non, on n'a pas fait la moitié en vrai. J'ai vu popper lui. Vite, viens. Ah, c'est moi le game de la vie. Où je tape vraiment pas assez. Ah putain, mais genre, comment je peux prévoir ça? Bon, bah là, c'est la merde. Merci. Attends. Ah merde. Mais je sais jamais à quel moment il balançait et à quel moment il nous crache du. Faut que je regarde bien les animations en fait. Faut regarder bien les animations. Salut Jonathan, salut toi. Et oui, je suis un ninja Black Goku. Ninja. En tout cas, j'ai compris grande ligne, ça va. D'animation. À quel moment faut que je bouge ou pas quoi. Oh merde, 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 merde. Ça passe. C'est moins pire que prévu. Ah, par exemple, j'aurais pas dû aller ici quoi. D'accord, c'est un... Ah putain, j'ai capté un truc.
En fait, on peut péter les trucs au-dessus, c'est ça qui nous donne l'énergie. C'est pas le fait que l'ennemi pète les trucs en lui-même. Il nous en donne. Merde. Ok. 10 ans plus tard, que puis il y a une révélation. D'accord, et en fait, quand ils sont en l'air, il y a des bulles. Incroyable. Incroyable. Ah bah, c'est plus simple d'un coup. Bah oui. Attends qu'on se retrouve. Et on charge. Moi je pensais que c'était que quand on pétait les caisses, quand on était venu péter les caisses, on ouvrait les trucs. Merde. Bien. Bon là, effectivement. Juste fais gaffe. Attention, il va remonter. De l'autre côté. Là, il est quasiment mort. Par là-bas. Il n'y a plus qu'à bien bourrer la prochaine fois et on est bon. Il n'y a pas une autre face qui pop derrière. Voilà. Ouais, faut pas que j'oublie de ramener et ramasser le truc sinon nous en finir parce que la dernière fois j'ai déjà eu le coup de marrer sans mon bonus. Super bien Darkstar franchement. Super super bien. Dur mais dans le bon sens du terme. Il est dur mais pas injuste en fait. Ça reconnaît les bons jeux entre guillemets néo-rétro. C'est pas des jeux qui sont durs pour être durs. C'est des jeux qui sont faits. Qui sont durs pour apprendre à les maîtriser pour y arriver. Après, une fois que tu comprends, en fait, c'est. Y a pas d'aléatoire, en fait. Et ça, c'est cool. Merci, monsieur Sapin. Voilà. Et super. Je vais mourir maintenant. OFE, ça fait 3 éléments, c'est vrai? Qu'est devenu le 4ème? Le dragon a dit que le 4ème était censé revenir bientôt, mais je ne vois rien venir, moi. Janine, qu'il ne te reste plus qu'à compter sur la sagesse du dragon. Merci Light, merci Jonathan. La raison d'être de notre clan est d'entendre la volonté du dragon et de préserver l'équilibre du feu des essences. En périphérie se trouvent les élémentaires, les membres les plus forts de notre clan. Au centre se trouve notre maîtresse, la plus en phase avec le dragon et la plus apte à l'entendre. Ok. Y'a rien d'intéressant autour? Seuls ceux ayant réussi l'épreuve de la forêt pourront recevoir l'entraînement. L'objectif consiste à atteindre le portail torride sans se faire attraper. Personne n'avait tenté sa chance depuis une éternité. La tentative pendant la lune sanglante a donc pris tout le monde par surprise. On peut passer des heures à méditer sans jamais parvenir à entendre les tous. Moi, j'ai eu droit à un aller simple. Du coup, je suis coincé ici, bah, comme tous les autres. Kuchindala, ça va et toi? Je devrais peut-être me considérer chanceux, comparé à tous ceux qui sont fait attraper par les Sins. Par de cette porte se trouve un défi à relever. Les fantômes du passé se mettront à l'épreuve si tu réussis. Un nouveau pour émergera. Coucou Joystix, comment tu vas? Heureux! Bienvenue à tes 20 touillettes. T'étais sur quoi? Peut-être un petit live express? Bienvenue sur Coffee Gaming, on est en train de tester un nouveau jeu indé Cyber Shadow. Un jeu qui pique un peu niveau difficulté mais qui est bien sympa. C'est Mienko, quand tu vas? N'hésitez pas à aller voir la copine Joystix sur sa chaîne. Elle était en train de faire quoi la Joystix? Elle était sur du rétro? Encore sur le pou de la raton? On a fini HP2 sur PS1. Alors HP2, attends, j'essaie de me souvenir, parce que la version PS1 et PS2 ou Gamecube sont totalement différentes. Ah, c'est celle où le boss de fin est tout moisi. Ça s'est bien passé sinon. N'hésitez pas à lui faire un petit coup sur sa chaîne, bien sûr, il y a le lien sur le chat. Moi j'étais en mode... Attends, non, à moins que je confonde.
Non, parce que. Non, le dernier qu'on a fait, c'était. Le Game Boy Color. Game Boy Color, le 2. Où le boss de fin était très moisi. Je sais plus si c'était la même chose sur celui sur PS1. C'est presque 9h que tu stream, mais t'es pas aussi depuis pas passer un dimanche en stream. Oh, le reste de la semaine aussi. À présent, offert par l'éternel souvenir de notre clan. Alors, pour ceux qui connaissent pas le jeu, il est sorti donc il y a une petite semaine. C'est un jeu indé qui se base énormément sur un gameplay assez rétro. On joue à Ninja avec une bonne difficulté. Au commencement, les élémentaires étaient unis au sein d'un même corps. Et un pouvoir aussi démesuré était trop difficile à contrôler par une seule personne. Les élémentaires se sont donc dispersés dans les tos. Depuis, ils réémergent à chaque génération en tant que 4 êtres distincts. L'élémentaire de poudre n'est pas encore revenu. L'appariteur a cru que c'était lui, mais son essence a été souillée par sa soif de puissance. Sa soif de l'eau. Les flammes représentent les 4 élémentaires ainsi que notre maîtresse. Lorsqu'elles seront toutes allumées, le dragon nous octroiera sa procédure finale. Alors notre clan se verra... fera vraiment plus qu'avec le flux d'essence. Ouais, on cherchait justement lequel on allait faire. Après chercher YouTube, on a quoi ressembler HP sur PS3 sur PSE. Comme par hasard, on tombe sur ta vidéo. C'est vrai ? Il y a un passage qui est vraiment relou dedans. Le HP3, c'est pas le plus fou. Mais par contre, si je peux te spoiler un truc, c'est que le HP4, je l'ai acheté, on a passé 2 heures dessus, je me suis fait chier comme les pierres. On l'a jamais fini. Je me suis arrêté au 4. Non, on a fait du New 2 avant Shintala. Il est vraiment sympa, il est vraiment cool. Les élémentaires manquants se trouvent quelque part dans les nuages au-dessus de Mecha Island. La flamme de notre maîtresse brûle toujours, pourtant elle demeure introuvable. Normalement, nous devrions être en mesure de la percevoir tout à l'heure avec les autres. Non, le X6, je fais quasiment aucun jeu sous émulateur. Donc même les jeux version Game Boy, en fait, je les ai fait avec le lecteur de jeu Game Boy sur... comment ça s'appelle ? Sur GameCube. Donc on a tout fait sur jeu original. Pourquoi ? Ah, ici on fait toujours. Enfin, 99% des jeux que tu trouves ici sont sur supports originaux. Il n'y a quasiment jamais d'émulateur. Okay. Alors, l'épreuve c'est quoi? Un bon émulateur PSE. Monsieur Sapin, est-ce que tu serais encore là par hasard? Parce que Monsieur Sapin il doit s'y connaître bien en émulateur. Après, je sais que tout le monde maintenant passe par Rome Station. C'est des mini-boss, c'est quoi ? Je sais pas faire lui. Là, doucement. Je ne lâche rien en bonus, sinon c'est pas marrant. Ah, on y est. J'ai plus qu'à survivre. Ok, cool. C'est pas si méchant. Volonté forgée. Bah, de rien, Joystick. Je réfléchis un petit peu. J'ai utilisé un émulateur. J'en avais conseillé un à Coquillette la dernière fois qui avait des problèmes justement avec Rome Station. Tel quel. Il marchait pas trop mal, il bouffait pas trop de trucs. Attends, si je retrouve le nom, émulateur PS2, c'était. Attends, je regarde parce que si jamais je tombe sur le titre qui me dit quelque chose. Qui marchait pas trop mal, c'est PCSX2 normalement. PCSX2, ça marchait pas trop mal. Parce qu'il y avait son Dragon Quest 8 qui commençait à merder sur Rome Station. Et franchement, ça lui a changé la vie. Et coucou Chris, ça va toujours ? Et on peut aller par où ? On a juste un petit peu plus de puissance, c'est cool. Je vais pas en plaindre. Ça change quoi en vrai?
Là, je vois pas par où il faut que j'aille en fait. Peut-être que maintenant on peut péter les murs qui y a des trucs qui clignotaient dessus. Ah sinon c'était encore là joysticks. Demande à Seju, il se connaît plutôt bien en émulateur. D'accord, les checkpoints en plus te remontent par où il faut aller, c'est cool ça. Ah mon je peux enfin péter ce mur là. Voilà. Ah ça fait du bien de pouvoir taper aussi fort là. Captain Kunash. Voilà. Voilà, parfait. Bon, déjà d'être là, pas besoin d'aller chercher le truc là-haut. Bien. Merde. Oh, j'ai glissé, je voulais sauter, ça n'a pas marché. Dommage, dommage. Bien, hop. Voilà, hop. Bien, merci. Et enfin, une. Si on joue un petit peu mieux, on glisse pas. Ok, on glisse pas. Go jump. Bien. Il y a un moment de te rencontrer. Oh, je suis quasiment arrivé. J'ai attendu si longtemps. On descend tout doucement. Ça se fait pas ça, dommage. On n'est pas obligé de l'avoir. Ah, franchement, ça fait plaisir de taper un peu plus fort là. Des mieux, il fallait taper deux fois, on ne tape plus qu'une fois. Là, doucement. Bien. Voilà, bien. Aïe aïe aïe, ça passe. Juste est-ce que ça passe. Bien. Bien. Machin moi juste au-dessus, mais sois prudent. Je ne comprends pas totalement les systèmes de sécurité de ce complexe. Ne sois pas choqué par mon apparence. C'est toujours moi, tel que dans ces souvenirs. Bien, ça sent le boss. Il y a un checkpoint comme ça avant. Recule, je sens que je perds le contrôle. Le système de sécurité automatisé est en train de prendre le dessus. Je suis désolé de te paraître inesthétique, mais c'est bien moi. Je voudrais juste que nous soyons réunis. On peut péter les trucs là ? Oui ! Bien ! On peut péter ça ou pas ? Non. Là, doucement. Ok, on peut l'avoir. Ça a l'air d'être où? Ça a l'air d'être faisable. Super merde. Oh putain! Il y a plein de patterns différents en plus. J'ai plus de vie. Oh! T'as changé de new de. Eh oui! Rosiette! C'est Greek! Flop! Mon papa, je vais juste bourriner sa race. C'est dégâts, c'est quand même. D'accord, si on reste dessus, on prend des dégâts aussi. Ah putain.
Ok, vaut mieux que je reste en face pour faire un petit peu de shuriken. Bon, après j'ai encore les améliorations là, si je galère trop, ça devrait aller. Là, c'est juste le temps d'apprendre le pattern. Mais la période est trop dure. Le contrôle, quel soulagement! Voilà, cette projection devrait être plus familière. Ça te convient-il mieux? Tu vois, c'est moi, la maîtresse du clan. J'espère que tu ne m'as pas oublié. J'ai encore besoin de ton aide. Je suis rattaché à cette machine. Peux-tu t'approcher? Alors, c'est pas un Metroidvania, c'est plus vraiment un plateforme action avec quelques composants de Metroidvania, c'est-à-dire tu as des objets qui sont un petit peu cachés, tu peux venir dans les anciens niveaux. Mais c'est vraiment linéaire en fait. Ouf. Shinobitroid, c'est ça. Maîtresse. Tout le monde se fait du souci pour vous. Mais je sais qu'au fond de moi, vous finirez par vous en sortir. Toutes vos constantes vitales semblent normales. C'est plutôt une bonne chose, non? Nous allons découvrir ce qui s'est passé, puis nous ferons sortir d'ici. Votre père a demandé de l'aide à Hagan. Alors ne vous en faites pas. Tous ensemble, nous pouvons y arriver. Oh, Gio, mais tout va bien, tu sais. Je peux persévérer, recevoir l'appel du dragon. Une nouvelle tâche m'a été confiée. Shadow, comme j'avais prédit. Il est temps que je mette au travail. Je détecte quelque chose. Son ego frontière fluctue par-delà les limites de sécurité, tout comme chez Sins. Elle approche du seuil critique. Son essence risque de se dissiper à tout moment. Docteur Progen? Placez-la dans l'unité de confinement d'essence de mon laboratoire personnel. Mais ne restez pas planté là, dépêchez-vous! Je sauverai ma fille, quel qu'en soit le prix. Ok. Et, nouvelle personne libérée. Leurs expériences ont provoqué un déferlement d'essence issu de l'éthos. Mon pouvoir a servi à le contenir, mais seulement partie. Telle notre maîtresse prisonnière serait en mesure d'en rééquilibrer le pouvoir. New upgrade! Mais ils bossent sur l'ordinateur, mais à chaque fois je pense que c'est un écran à l'aide, comment ça un écran? En plus, c'est le mal. D'accord, nous n'avons plus qu'une amélioration, il y en a bon. D'accord, on peut taper dans les projectiles, c'est cool ça. Hop. Je voudrais monter un peu plus haut, moi. Pourquoi je peux pas monter plus haut? Je voudrais monter plus haut. De contrôle désactivé. Les synthétiques sont figés sur place. Les secousses provoquées par l'explosion ont tout ravagé. Je ne reçois plus rien de la surface. Les champs de confinement sont en train de céder. Il faut sortir ici. Journal de Hagan. Une fusion de noyaux s'est produite. L'alimentation a été coupée. De ce fait, le transfert n'a pu être que partiel. Aucun relais d'essence. Échec de la formation d'Aigo. Pourtant, une forme d'activité a été détectée chez le réceptacle. L'essence corrompue, si elle continue à grandir, tout est perdu. Je dois sauver notre maîtresse. Elle est notre dernier espoir. Puis elle a disparu depuis si longtemps. Ah, on est déjà à la moitié du jeu en vrai. On est déjà à la moitié du jeu. Et de ce que j'ai compris, la fin du jeu est absolument insane. Donc autant dire que même si je suis à la moitié du jeu, je suis pas à la moitié du jeu. Vous m'aurez compris. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. Un écran à LED. Ah oui, c'est bon, je l'ai écrit, tiens. Je l'ai. Les amis, encore un gros merci pour cette journée magnifique. Comme d'habitude, je vous rappelle que tous les prochains lives sont par ici. Encore merci pour votre soutien pour booster le stream aussi.
On a réussi, je sais pas si ça a changé grand chose, mais en tout cas c'est cool que Twitch permette de se mettre un petit peu plus en avant. On continuera donc les prochains lives sur le lien que je vous ai mis. Donc demain à partir de midi on sera sur Assassin's Creed 2 Remastered. À partir de 16h on sera sur Speed Limit. Donc un nouveau jeu indé. Et si on a du temps après, peut-être qu'on viendra sur le jeu si on a du temps. Mardi toute la journée on sera sur Red Steel qui est un des premiers jeux sur Wii. Une petite découverte ensemble, c'est depuis des années que j'ai le jeu, j'ai toujours pas testé une seule fois, j'ai fait le 2 mais pas le 1. Et mercredi, on continuera Nio 2 à partir de 8h30 également. Le soir, je serai en AIT chez AO Jeux. Donc on verra un petit peu comment ça se trame ensemble. Moi de mon côté, je vous fais des gros bisous, encore un gros merci à vous tous, merci au Rissum, merci pour tous les raids parce que mine de rien, on a eu du beau monde en raid aujourd'hui. On a eu qui? On a eu Joystix, on a eu. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. On a eu. Hop! Monsieur Sapin, Scarab, Pépipin, Geek en Stock, Likaglou, Mugai, encore un merci à vous tous. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on va aller raider quelqu'un chez qui on va aller. Bah tiens, il y a Scarab qui nous a raidé tout à l'heure. Ah, attendez, j'hésite entre deux. J'hésite entre Pépipin et Scarab. Scarab, on le raidera une prochaine fois, promis. Mais Pépipin a fait son petit live du dimanche soir qui est bien sympa. En fait, si vous voulez, elle fait du dessin. Et en fait, elle explique comment elle fait son dessin. De façon, on chill, elle papote avec les gens et tout le dimanche soir. Alors. Un hashtag dessine-moi un mouton. Voilà. Un petit hashtag dessine-moi un mouton en arrivant chez elle. N'hésitez pas à le marquer en arrivant. Bien sûr, n'hésitez pas à spammer avec les emotes. Pour ceux qui les ont. Voilà. Encore un gros merci à vous tous. On se retrouve demain à partir de midi. Des gros bisous. Et puis, passez une très bonne soirée, une bonne fin de week-end. À bientôt, salut.